Assalamualaikum. Ñu ngi leen di nuyu yeen ñep. Xamna ni kaddu yi mën na baña guddu torop. Di remercier docteur Babacar Diop ak FDS ci set ci giñu set ci tay ak yegg yi ñu am ci ñun ba tax ñu ñi boole ci seen yitté. FDS nak dafa di kurel go xamné bënal luñu bok ak ñom dafa di kurel go xamné nuruna trop ak passef nuruna trop ak FDS naam lenn ci FDS particulièrement ko jité mën nañu wax ni moñu jitu ci langue politique bi wayé ño bok génération muy ben bok yeg yeg ak gis gis ci rew mi motax du surprise soudé ku melni Mamadou Diop bolé nañu di référence ci ñun di référence ci ñom waye it ño bok ci walu doxalin niñu gisé ni ni lañu wara doxalé politique ci Sénégal kon japp na ni suñu bop lañu dalal fi tay ci waxtaan go xamné waxtaanu deglu la d'abord pour gëna xam li wundu mbir mi wayé waxtaanu apporter suñu soutien inconditionnel à nos amis du FDS donc damay commencer par féliciter YFDS parce que liñu def dafa am solo man dama japp ni ñun ñepp dañ leen waroon féliciter parce que dañoo dem bo ra taxawal kurel parti politique ñu def effort de recherche parce que lool daf ci am solo effort de recherche bo xamne dañoo dem set ci suñu histoire ci suñu ada dem creuser fu haute haute pour tann ci lo xamné dinañu dello ci suñu bop lol dafa am solo parce que japp na ni buñu jëlone ben tour rek ci nasaran ciow li nepp du am waye dañu def effort de recherche dem génné lo xamné valeur la ci ñun ñepp nak ñun ñepp parce que dañu am ci suñu histoire lo xamné dañ ko yaro magge ko dama wax senegal en tout cas senegalais suñu mam amul ku leen gëna théoriser ay valeur jom fulla fayda fit colère teranga lenen ak lenen amul kuñu ko gëna théoriser ci histoireu aduna gëmoko waye est ce que tay ñun ñi nga xamne ñoy seni setat ñong koy dund ak ñong koy dundal question bobu kenn ku ne ci ñun mën na ci tontu bokk nak ci ñu koy dundalé moy ku toll ba wara sanc lo xamné du ñepp wara xam la naam mën nga jël lenn ci nasaran waye gor gorlu dem set ci suñu ciosan suñu aada suñu histoire lo xamné mën na ko mandargal ñun de biñ ci tollé non lañ defoon ba lolo andi pastef ndax pastef du tuba da bañuy tan dañu ñëk xalaat ba taxawal passef doga xol nak ben lettre bu nek lan lañ ko mëna mandargal ci nasaran luy symboliser suñu combat lolo andi patriote bu ñëk ba sénégalais di sénégal légui patriote africain du sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité bu nek nak di valeur bu am solo bo xamné dafa bokku ci suñu combat waye bala ñuy tan bala ñuy dérouler ci français dañu ñëk ut abat bo xamné japp nañ ni baat bu am solo la bo xamné soit ci suñu ciosan suñu aada wala ci limi signifier dafa di baat bo xamné koko wax rek warna am lu mu def ci mom ci lu jëm ci lu bax ñom lool lañu def ba génné nak baat bu am solo bobu di gelawar kon ñun dañ leen di féliciter ci effort bobu ndax
du baat bo xamné dafa renvoyer à une logique politicienne strictement moy numay def rek ba jël nguur gi rek du baat bo xamné day renvoyer ci lolu rek mais baat la bo xamné daf ñu bëgg renvoyer à des valeurs très fortes yo xamné ay ben xétu nit ci société bi bo xamné mëno ko askanalé ci waso bi wala ci waso beulé mom wax nako légui dama ko don togn ne ko Babacar amna etni bu bes Senegal waye etni bobu li jafé jafé moy mëno joxogn kenn ne ki moy gelwar bi sal bi defi wornama sosé ngi fi jola ngi fi olofa ngi fi sérere ngi fi pele ngi fi manka ñepp ngi fi waye so néwon gelwar Senegal kan lañu mëna joxogn ne ki moy gelwar ñun ñepp ñoy dajé ni ñun ñepp gelwar la parce que valeur la du etni kenn du nangu ñu gënné la ci gelwar yi fi amna parti yo xamné nañ ay républicain lañu mais est ce que amna ku nekk fi ko xam di nga nangu ñu né la yow do républicain amna parti yo xamné nañ démocrate lañu est ce que amna ku fi nangu ñu né ko do démocrate amna parti yo xamné nañ patriote lañu est ce que fi ci salle bi dina am ku nangu ñu né ko yow do patriote kon suñu néwon gelwar ku xam signification bi rek ya jëk feug ci dëgg ne man gelwar la kenn mënu ko askanalé ben xet kessé ci biir réew mi wala ben waso motax c'est ridicule il faut que ñi ñu jakkar lool wax ñu ban waso moy gelwar ak fan lañu nekk ci Sénégal ak ñaata lañu ci lim nuñ mel il faut ñu wax ñuko parce que man maangi doga deg nak etni bu tuddu gelwar au Sénégal man koy doga deg kon ñu ngi leen di féliciter ci effort bobu di leen wax ni di ngeen am suñu soutien total et absolu dans cette lutte parce que dafa am yo xamné xexu principe la mënon nañ ne li waru ñoo tardel ñom mënon nañ ne li waru ñoo tardel kon nañu bayyi gelwar bi rek ñu jox ñu suñu récipicé légui ñu dem def suñu politique mais dafa am xex yo xamné c'est des combats de principe té dafa am solo parce que ben yoy ngay bayyi moy tax nit ki gëna mëna dëkk ci li ñuy wax abus de pouvoir moy jaay doole gu téggul ci yoon jaay doole gu téggul ci yoon nak moy li ñu gëna wuna mbargalé mandargalé nguur gi fi ne nguur go xamné su ba ngon jot yow waro tuddu ni nga wara tuddu gëm na ni Sénégal nañ dem ba nit dina am dom tudé ko ma xujje ñu ne ko dédé ma xujje mom amo droit tudé ko foko mu tuddu rek Macky wala Massal wala xawma lan fofu lañ jëm wala nit né damay organiser wu soxlawuma xaaliss bu joggé ci bitim rew soxlawuma ay lobby yu ma jox sénégalais yi ñu bëgg nañu dajal luñu am joxé nga né du fi amé kenn du cotiser dem na dañ suñu logique won nak dinañ dem bané daayira do suñu cotiser jakkay do tuñu cotiser keneen do tuñ cotiser ay sénégalais yu dajé bokk seeni mbir sen statuté les ressources du parti mu nga joggé exclusivement ci cotisation yi ak ci don yi nit ñi dajé né dañuy cotiser nga né kenn du fi cotiser muy benen abus de pouvoir wala nga xeyné opposition do tul am Sénégal démocratie bu mel ni Sénégal nga xamné bala ñu am indépendance démocratie la woon ñu doon voté ay Sénégalais doon jak jamarlo ci politique depuis jamono ñom galandu histoire nga fi ñom Lamine Guèye Senghor ñom galandu Blaise Diagne bobu amagu ñu indépendance di dox ba am indépendance parti unique am fi ñu dox nit ñi xex clandestinité ak yeren ak yeren ba Senghor bi fi newon xamni lolu mënatul wey mu ubbi ne démocratie légui bien que c'était limité ba mujj ñu nekk ci démocratie intégrale ab way bo xamné nénañ né après les indépendances danak amul benn combat bu mësu mëné sa aduna deug ndax da nga ram la nga am ci ay parti ay appareil cacher ton jeu bañu défar la faxas la génné la fa nga néwon def la nit def la directeur général ministre
ba ministre d'état ba premier ministre ba président assemblée nationale ban combat le mené tay fi dans les grands combats démocratiques de ce pays musul mené combat situation am sénégalais bëggon changement tu étais le mieux embusqué nga jël réew mi mais je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ñak humilité wessul lolu ak ñak xam xam nak ndax ko xam touti peuple sénégalais di nga xamné du peuple bu ñuy dëng ba wara mëna am ben parti unique nga xamné bi ñuy dogu jël indépendance sengor doole gi mu amone téwul amone nañu ko doon xex clandestinité ñu leen di tej kasso di leen dakk seen liggéey ñi di génn réew mi yow nga tok ba 21e siècle 2012 nga ñew taxaw lan jëwé réduire l'opposition à sa plus simple expression be wessul lolu motax lo ci gis bu soobe yalla il fera face à l'une des plus grandes forces d'opposition de l'histoire du Sénégal parce que personne ne peut réduire les Sénégalais réduire l'opposition moy réduire les Sénégalais le peuple sénégalais a besoin de contradictions il a besoin de forces politiques qui s'opposent dafa soxla kuy jité ak kuy nek ci kujje gi nan ko d'accorduma lol bis bu dañé ci rew mi musiba la ñu war ko def nak de manière civilisée waye pour mu civiliser il faut que acteur yépp doon acteur civilisé mais bu amé ben acteur bo xamné néna ku noyima duma mënul nek lu civilisé té bo yaré yëkëti sa yatt nak bo yaggé yëkëti sa yak di nga tollu fo xamné yatt bi ci yow lay dal kon li dako illustre ben illustration rek ci luñu mëna lim ci li fi xew 2012 ak légui te jaaté génné ci réew mi dakk ci liggéey complot luñu wax nga né li du fi amé te yow ci jamono joju say ñoon lu leen neex ñu def ku ci randal alu réew mi sax ay milliards rapport ya ngi fi fess del ñu né kenn du la laal parce que nak ci bour ba nga né fokk ngeen ni am réew nañ ko téy ci injustice bu tan joté nak nga wara tan ay nit la wax ay nit nit ñu nité parce que réew ay nité koy yor gis nga pouvoir autorité dang koy confier nit parce que ñi muy japp jëflantel ay nit lañu mo wara jëflanté ak ñom ci liñu xam ñun ci rafetal parce que bala yatt di dal gis nga nit premier élément bi tax nit jox la gëdd bi mu la wara jox nit jox la respect bi mu la wara jox nit jox la kilifté bi mu la wara jox premier élément bi du yatt premier élément moy yow ci bop nga don exemple ci comportement bi ngay comporté wu ba paré won ko ni li nga lu mëna nek la te ci intérêt réew mi la mais bu dé similaire ak sala rek nga né ñu do bu yagge bo mo tul nit ñi wol bu ci bu sa taw motax lool kiko mëna def nak moy ki nga xamné nité na jëlé ko ci yaram jëlé ko ci formation jëlé ko ci parcoursam waye bu dé yow dañ na jital ci réew bala ngay mëna tan koy denk ab ciir rek il faut mu don safalu bima wax il faut nga jël ko xamné ambition jaral nako lu ne suñ ko néwon jaayal sa wa kër yépp pour ambition pour egg ci niveau bi dina ko def nga jël ñooñu nak denk leen ay responsabilité da ngay jël ko xamné mom lañu santone ne ko liquider ma adversaire politique bi mu liquider nga wolbati ko ne job ko ci benen responsable ne ko liquider ma adversaire bele mu liquider ñooñu ngay jël nak parce que ñooñ ñola arrangé jël leen jox leen ay responsabilité lu tel ni ministère de l'intérieur du tiaxat ci rew ministère amul ministère bu ko gëna stratégique mais bu ko gëna dangereux ci équilibre rew ministère de l'intérieur du luñuy politiquer ministère de l'intérieur du luñuy politiquer karangé sénégal la stabilité sénégal la ministère de l'intérieur kenn du ko denk ku ñorul kenn du ko denk ku ñorul waye fogg nit il faut un exécutant bo xamné sans foi ni loi ko xamné amul ben vertu mom nga koy jox pour soko né tay faga galal Abbas Fall mu dem faga gal ko lolou nax sa bop la lolou moy ñu yobé ci li yépp ñuy dund
set len ci ñaari wër yi ñu joggé ñaata kilifa ci politique bi ak ci diiné bi ño wax tek sen baram ci li lool musul am Sénégal waye tay lay gëna am promotion nak parce que lool mo taxone ñu tek ko fa waji dina contane dina wajangi def liggéey bi ta xamul ni nak lool moy musibam ñi wax nak ni rew ken du ko yor ci doole ak jaay doole rew ken du ko yor ci fitnal nit ñi kuko mësa def rek di aduna ba légui depuis ñom firawna ba ñom xadafi ma genn ci sa xadafi waye ba ci ñom sadam ak ñeneen ak ñeneen gis nañ fu mu mujjé té histoire nak mom bukul la l'histoire yalla dafa am nu bindé aduna histoire day dox mais ci même façon lay doxé les mêmes causes produisent les mêmes effets li taxone demb ak barki demb li am bis bu dajewaté lolu amat lolu moy histoire amul luñuy recréer té ñi koy nax nak mom nan ko yow la ya fi né défal li bis bu mbir mi jéxé té jéx na ba nopi gën sa guddou 2024 mu joggé fi waye ñoñu doon ko jey nak ñokoy ñëk won gannaaw gis nañ ko fi 2000 gis nañ ko fi 2012 tay ñan ño nekk fele ay ministre ñeñ ji dé sax ñi gi won ci liste créé suma joomul ñi jey bur nan ko yawa defal doral bis bu mbir mi wol biti ko ñokoy ñëk war dina wé trop ak bokkom motax nañu délo ci sen fen gis nga sénégalais sen yitté fimné ni du ay gelwar ak ay pastif ak ay so jëlé sa énergie yépp nak ak sa temps yépp xol noy fagagalé adversaire politique mëno topato yitté sénégalais té ñi ngi ci mbënd bi daaw ci négocier ñun ñëpp démon nañ ci mbënd bi man ren dama am gatché démat ci mbënd bi ñu joxone fi engagement bu né tay ay famille entière gi teumb ci ndox mi am na yo xam boko gisé da ngay tim bol sax do meuna lek ndax yeureum ñooñu nit ndax meuna nek ci condition yoy jamono joju ana président de la république ana président de la république sénégal est ce amatina président ñemewul genn sax wax ma mu dem fa de waye ñemewul genn sax def déclaration massaw ñooñu waye mi ngi jek ci avion bi mu jëndé 60 milliards ay chasseur suisse diko escorter ñukoy jëlal ay selfie xam nga lolu moy nargé sax le peuple jamono jo xamné tay ñëggi amul produit boy jël té ñëggi yokkuul ba sénégalais amatuñu luñu lek mbir mi metti na ana président de la république ana président de la république est-ce que réew mi amatina président jamono jo xamné gën nañ ci 3ème vague bo xamné ubon na bop ñëpp li fi joge ci nit kenn xamul mu toll ana président de la république rew yi dox de digënté def na tugal ñi ngi won sen 4ème vague digënté bi muy door ak bi muy jeex président de la république def na ñenti allocution sans compter nak émission yi mu def directement ci internet bi nit ñi di poser sen question ñu répondre sénégal ana président de la république président de la république fofu lañ la soxlé bi nit ñi nekké ci goutte nga genn wax ak ñom parce que yaay général bi mais bu metté rek nga daw teju sa palais ak sa kër kenn du la dégg bu affaire bi xawé bax nak nga genn di commencé wat nak dal fitna sét kan ngay song lolu du président de la république je suis désolé sénégalais yi de vous le dire amulen président de la république jamono jo xamné barki demb rek waxat nañu digënté ndar ak fenen ay nit ndaw yo xamné ndol ak ñak liggéey ño tax ñu doon fexé pour dem tugal dem bitim rew ñaata bakana ci rot ay nit lañu duñu ay mala ana président de la république biñu génné ci événement marsi ñaata emploi la fi promettre da jëlé xalé da jëm ñaaju kan mo fi am liggéey kenn té duko mësa mëna créer nak parce que mënuko xamul fuñuy jaar pour def ko à part politique politicienne
numay def ba falu wala ba faluat numay def ba liquider adversaire politique amul benen xam xam bu mu am rew mi fofu la tollu motax wax deug yalla nek fi nan kelwar kan la déranger wax deug kelwar kan la déranger est ce que fi ci salle amna ko xamne suñu newon parti bi kelwar la tuddu déranger na la musma gis li ba tax dal Babacar vous avez tout notre soutien lepp lu ngeen ci wara def ñong koy and ak yeen illégalité motax ñamu ñoo bind man ci un haut fonctionnaire enam liñ ñuy jëk jangal l'administration fonctionne par écrit administration day bind administration de tradition orale du ay nit yu koy passanté de père à fils ñu naan histoire bi ñu la demone administration day bind buñ ko bindé dafa wara tontu té yoon dafa né ñenti wër lañ ko may pour mu tontu lan motax duñu tontu ñu bind kon ñu leen di féliciter di leen encourager colloque bi ngeen di def tam amna solo parce que au-delà de sen affaire bi dina permettre sax ñun ñu bari ñi ngi dégg gelwar amnañ ci ben idée ni rek mais ñu gëna tékkil valeur yu am solo yoyu partager ko ak sénégalais parce que limay faral di wax dafa fay daanelé bokku na ci suñu problème moy ñaka xam suñu histoire motax Cheikh Anta Diop am solo chaque fois mané ndaw ñi na ngeen dem lirat Cheikh Anta Diop parce que suñu histoire da nga wax légui histoire générale du Sénégal comme yépp la out mi ngi fi sama bureau ci souf mais suñu histoire boy waxtaan ak nit ñi dafa melni dafa am fum commencé té lolu da ngay am jafé dépassé époque médiévale waye ñun dañu am histoire depuis l'antiquité même avant l'antiquité la préhistoire et tout mais suñu jëlé depuis l'antiquité sax mais kenn gënu ñoo bax histoire té tant que délu ñu suñu histoire en profondeur dañuy continuer am complexe tuba bi dafa xam histoire am dalay wax 8 siècles 8 millénaires d'histoire chinois bi dafa xam histoire am bo chinois bo am 11 ans boko waxé mu né la ñun biñuy tabax la muraille de Chine Europe ñi ngi won ci lendeum kon ñun ñoo wara dominer aduna mais fi ko fi wax da so wéso jamono ñom la jor ak démé non am nañu jaxé jaxé wax lan moy suñu histoire dañu am histoire depuis l'Égypte antique ba tay ji dañu am histoire té histoire bu reuy reuy la kon yeen li ngeen di def ni da ngeen def œuvre historique pour restaurer des valeurs ñu ngi leen ci féliciter et vous aurez tout notre soutien donc en résumé en français je remercie nos amis du FDS d'être passés nous présenter le problème qui les oppose aux autorités de ce pays est un problème tellement puéril que on ne sait pas s'il faut en pleurer ou en rire. Qu'une formation politique qui ambitionne de transformer qualitativement ce pays-là et qui ait pris le temps de réfléchir sur sa dénomination. Parce que la dénomination est extrêmement importante pour une formation politique. La dénomination doit renvoyer immédiatement à des valeurs, mais surtout à un objectif. Et que cette formation politique ait réfléchi, ait pris le temps de faire une intrusion, un retour très profond dans notre histoire et dans notre passé, pour en extirper un vocable extrêmement important, un vocable extrêmement partagé entre toutes les sociétés du Sénégal, mais qui renvoie à des valeurs fortes d'engagement, de détermination, de rigueur, de patriotisme. Parce qu'il faut être patriote pour se battre pour son pays. Il faut être patriote pour être prêt à donner sa vie pour son pays. Et ce qui représentait des pays à cette époque-là, c'est les royaumes et les empires que nous avions ici. Soit le Gabo au sud, le Bawal, le Walo, le Kayor, ainsi de suite, le Sine, le Saloum. Et partout, vous retrouviez des Gelwar. Et qu'une formation politique ait choisi cela est à féliciter, à encourager. Et moi, je considère que toutes les formations politiques doivent faire cet effort de recherche.
aller en profondeur. En tout cas, nous, quand il s'agissait de mettre en place un parti, nous avions instruit les gens de réfléchir sur une dénomination dans une de nos langues nationales, mais qui renvoie à des valeurs fortes. Je me demande même si un jour on ne va pas nous dire que PASSEF renvoie à une ethnie. Parce que PASSEF est un mot wolof, ce n'est pas un mot français que je sache. Et il a une signification particulière en langue wolof. Hier, j'étais à Touba pour présenter des condoléances et il y a quelqu'un qui me disait « Mais qui a choisi PASSEF ? Est-ce que vous savez vraiment ce que signifie PASSEF ?» C'est du wolof. Ce n'est pas du Yola, ce n'est pas du Mankagne, mais ce n'est surtout pas du français. Les femmes de notre parti ont choisi de s'appeler les Lingères. Lingères et Gelawar, c'est la même chose. Lingères, c'était une catégorie sociale qui a incarné des valeurs, des vertus et des combats. Et vous pouvez retrouver ça dans d'autres formations politiques. Chacun avait un cri de guerre. Vous aviez Djalarbi, vous aviez Sopi, vous aviez Joyanti, etc., etc. Chacun a quelque chose qui va avec la dénomination qui peut se décliner par ailleurs en français. Et donc c'est là le danger. Et c'est pourquoi, après avoir félicité vivement nos amis de Gelawar, nous les assurons de tout notre soutien dans ce combat. Deux principes. C'est un combat de principes contre l'abus de pouvoir, contre même l'excès de pouvoir d'un gouvernement, d'un régime qui ne connaît que cela. Si vous deviez faire le bilan de ce régime sur les 10 dernières années, vous ne pourrez dire autre chose que l'excès et l'abus de pouvoir. La persécution de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, partis politiques comme mouvements citoyens. L'interdiction qui est le principe. Vous n'avez pas le droit de vous appeler tel. Vous n'avez pas le droit de lever des fonds, des cotisations de vos militants. Vous n'avez pas le droit d'organiser telle marche ou tel meeting. Vous n'avez pas le droit. C'est ensuite la persécution des opposants par l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Et ça colle avec le leitmotiv même de celui qui a été élu président en 2012. Parce que au lendemain de son élection, il avait annoncé tout de suite qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce qui devait alerter tous les Sénégalais. Un vrai président, un vrai démocrate ne doit pas ambitionner de réduire l'opposition. Celui qui aime vraiment son pays doit tout faire pour qu'il y ait un pouvoir qui gouverne et une opposition viable, parce que le vrai baromètre et surtout ce qui peut aider à performer, c'est d'avoir une opposition sérieuse, structurée, bien documentée, qui critique et qui vous permet de rectifier. Un vrai démocrate ne souhaiterait jamais, si Ablaïd avait réduit l'opposition à sa plus simple expression, il ne serait jamais président de la République. Ça, c'est les germes ou l'ADN d'un dictateur. Et c'est pourquoi le dire comme ça, avec autant d'arrogance, de manque d'humilité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le retour de bâton. Il se retrouvera avec le plus fort regroupement d'opposition, l'un des plus forts regroupements d'opposition que le Sénégal ait jamais connu. Et en tout cas, je dirais simplement, je lancerai un appel ou je lui donnerai un conseil. Un pays ne se gouverne pas par le bâton. Il ne se gouverne pas dans la méchanceté. Il ne se gouverne pas dans l'inimité. Quand on est élu, il faut faire preuve de magnanimité, de dépassement. Quand vous êtes élu, vous êtes le président de tous les Sénégalais, y compris vos opposants. Il faut gouverner conformément à la loi, mais appliquer la loi de manière bienveillante. Ce qui donne la légitimité à un gouvernement et ce qui va faire qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat,
c'est pas le bilan que vous avez en termes d'emprisonnement, en termes de tabassage d'adversaires, en termes d'interdiction. Ce ne sera pas ça qui fera qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat. Et l'histoire de l'humanité se reproduit et se reproduit encore. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. De Pharaon à maintenant, c'est la même histoire. Et je lui conseillerais de comprendre que tous les conseillers alimentaires autour de lui, les gens qui ne calculent que leur petit salaire ou les avantages qu'ils ont et qui lui disent qu'il faut foncer, il faut taper, il faut massacrer, ce seront les premiers à lui tourner le dos le jour où il perdra le pouvoir. Et l'histoire de 2012 et de 2000 sont là. Les histoires de 2012 et de 2000. Beaucoup de gens qui étaient autour du président Blaise Watt, où ils sont où aujourd'hui? Certains siègent au Conseil des ministres de Macky Sall. Il lui reste encore 2 ans de pouvoir, 2 ans au pouvoir. Il ne tient qu'à lui de donner les orientations qui lui permettent d'avoir une sortie, en tout cas, moins déshonorable que ce qui s'annonce. Il ne tient qu'à lui. Mais il faudrait qu'il comprenne que ce n'est pas en choisissant ce qu'il y a de pire dans ce pays pour en faire des ministres ou des ministrons qu'il va avoir une sortie honorable dans ce pays. Choisir des gens qui sont prêts à sacrifier père et mère, qui sont prêts à marcher sur des cadavres pour une ambition, pour satisfaire une ambition. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est lié à une histoire, ne lui permettra pas d'avoir cette sortie honorable. Il est temps de se ressaisir. Le peuple sénégalais a d'autres préoccupations. Quand on passe tout son temps, quand on oriente tout l'appareil d'État à surveiller et à essayer de liquider des adversaires politiques, on n'a pas le temps de s'occuper des préoccupations du Sénégal. Les préoccupations des Sénégalais, c'est aujourd'hui quoi? Hier, on nous a annoncé 5 noyades dans les inondations. Il y a des familles aujourd'hui qui dorment dans l'eau. Il y a des familles qui mangent dans l'eau. C'est triste. On a mal quand on voit tout cela. Mais où est le président de la République? Y a-t-il encore un président de la République dans ce pays? Il n'ose même pas faire une déclaration. Je ne dis pas, allez voir ceux qui sont dans ces situations-là et leur... Évidemment, quand vous avez des gens qui sont prêts à faire la sale besogne, vous les envoyez au charbon. Nous avons vu justement ce ministre se rendre pitoyablement dans la banlieue l'autre jour et être obligé de patauger dans l'eau. Bref, mais le président de la République n'est plus dans ce pays. Il n'ose pas sortir pour parler au peuple, a fortiori, aller rendre visite à ceux qui souffrent. Le problème des Sénégalais, c'est cette 3e vague qui a été extrêmement meurtrière. Lors de la 1ère vague, quand il y a eu 4 cas, ça a été le théâtre national. On a convoqué tout le monde. Même moi, pauvre de moi, j'ai été obligé de me rendre au palais. On nous a dit qu'on est en guerre, qu'il y a des marchés qui nous attaquent. On a dégagé 1000 milliards ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, on a une 3e vague extrêmement plus meurtrière. On ne voit pas de président de la République dans ce pays pour parler aux Sénégalais. Le problème des Sénégalais, c'est des gens, des jeunes qui continuent à périr en mer parce qu'ils n'ont pas de boulot, justement. Parce qu'après les événements de mars, on leur avait promis des milliers de boulots. Ils ne verront jamais de boulot sous l'ère Macky Sall. Il n'en a ni la compétence, ni la vision, ni les solutions. Où est le président de la République pendant ce temps-là? Le problème des Sénégalais, c'est la cherté de la vie. Tous les produits ont pris l'escalier, l'ascenseur même. Vous ne créez pas d'emploi, vous n'améliorez pas le pouvoir d'achat des Sénégalais et vous ne pouvez pas empêcher la flambée des prix. Où est le président de la République pendant ce temps-là? Il n'ose pas sortir et parler aux Sénégalais. Mais il peut prendre son avion de luxe qu'il a payé à 60 milliards. 60 milliards aurait réglé probablement le problème des inondations. Pour aller dans des colloques en Suisse ou je ne sais où, escorté par des mirages. Et il se donne le luxe en plus de ça, de se faire des selfies dans son avion de luxe. Pendant que le peuple est en train de mourir.
Je suis désolé de le dire, il n'y a pas de président de la République au Sénégal. Il va se taire tant qu'il y aura des problèmes. Quand il y aura accalmie, il va sortir de son trou pour créer encore les conditions de l'affrontement et de la déstabilisation de ce pays. Je suis désolé de le dire, nous n'avons pas de président de la République. Et je conclurai par dire que le problème des Sénégalais, ce n'est pas Guelouar. Guelouar ne gêne aucun Sénégalais. Il n'y a aucun Sénégalais qui te dirait que ça me pose un problème qu'un parti s'appelle Guelouar. Il n'y en a pas. Pourquoi donc voudrait-on nous priver de cette dénomination? Voilà ce que je voulais dire en réitérant une fois de plus à Babacar que vous aurez tout notre soutien, notre accompagnement, parce que c'est un droit et un droit qu'il ne faut jamais lâcher face à l'injustice. Quand vous êtes sûr d'être dans votre bon droit, je vous remercie.